Il y a un séquille, moi. Bon, je vais essayer de vous montrer le point de vue un peu plus haut. Beaucoup de monde. On va voir, on reste fixe comme ça et on bougera au fur et à mesure de ce qui va se passer. Pour l'instant, tout le monde est en train de s'installer avec... Drapeau arrive. On voit que c'est beaucoup de travail pour organiser un rassemblement comme ça. Dites-moi si vous avez le son. C'est dramatique, on fait signer, on reste 2-3 mois sans retransférer. Aujourd'hui on vient de faire signer tout un tas de jeunes qui ont à peine joué en National 3, peut-être qu'ils sont bons, mais enfin qu'ils fassent déjà leur preuve, ce n'est pas du tout le cas. On a vraiment l'impression qu'au niveau sportif, il n'y a aucun projet. Et puis surtout, il y a une cassure qui est irrémédiable. Et depuis septembre, on explique qu'on ne peut plus travailler avec la direction opérationnelle des Girondins de Bordeaux. Il n'y a absolument rien qui bouge. Mais aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. On ne peut plus attendre. Il faut que les choses bougent. Il faut que les choses bougent. Il faut que Frédéric Longuepé, Anthony Thiaudet. On a démontré dans tous les enregistrements qu'on a fait passer que ce sont aussi... Ce sont des gens qui racontent des histoires, qui braquent les gens les uns contre les autres, qui rabaissent les gens. On l'a prouvé pendant des extraits d'enregistrement. On a prouvé qui étaient ces gens-là. Maintenant, il faut qu'ils reprennent un train vers Paris, qu'ils accompagnent également le nouveau responsable sécurité, qui a pris la place d'un responsable sécurité en qui on avait totalement confiance, qui était en place depuis 20 ans, avec succès, parce qu'il n'y a jamais eu de problème à Bordeaux. Il y a eu notamment une grande fête qui a été organisée pour la violence. Quelqu'un qui est aimé de tous et qui est aujourd'hui rétrogradé parce qu'un commissaire de police, un ancien commissaire de police du PSG, a pris sa place. Et nous, vraiment, en public, la sécurité qui marchait très bien aujourd'hui est attaquée.
et tout est fait aujourd'hui pour convoquer le peuple bordelais. On va parler aussi des emblèmes qui sont attaqués, on va en parler tout à l'heure. Enfin voilà, tout est détruit de la cave au grenier, et aujourd'hui c'est vraiment un cri de colère pour que les choses changent, et que les choses changent très vite. Non. Le problème, il est philosophique. Il est philosophique. C'est une vision du football qui est totalement opposée. Ils s'imaginent qu'ils peuvent créer une activité autour du football et que c'est cette activité qui va amener de l'argent au terrain. C'est complètement faux. C'est le terrain qui doit être central dans toute notre réflexion. Le vrai clash idéologique, il est là. Et après, c'est tout un tas d'épisodes. Effectivement, l'affaire de la billetterie qui venait déjà d'une situation tendue, puisque David Lafarge, le responsable sécurité, avait failli déjà être remplacé, on avait empêché ça. L'affaire de la billetterie a mis de l'huile sur le feu, et il y a eu après tout un tas d'événements, la tentative de dispersion pour Strasbourg, les 80 stadiers dépêchés de Paris, les incidents qu'il y a eu pour Strasbourg, et tout un tas d'épisodes, tout un tas de communications du club qui attestent à quel point ils n'ont absolument rien compris au football, et encore moins au contexte particulier des Girondins de Bordeaux. Mais ça, c'est un problème presque français. On a des similitudes, et pourtant ce ne sont pas particulièrement des amis, mais on a des similitudes avec les Nantais, les Marseillais, qui vivent actuellement la même chose. On met à la tête de nos clubs des gens qui n'appréhendent rien du contexte de la ville. Un club de foot, ce n'est pas une entreprise. Un club de foot, c'est quelque chose qui prend triple les gens, c'est quelque chose qui accompagne les gens toute leur vie. Ce n'est pas une entreprise, ça ne se gère pas comme une entreprise. On en appelle à tout le monde, on en appelle à tout le monde. Nous, ça fait 2 ans qu'on se bat, ça nous demande un travail énorme. On fait ça du fond du cœur, on est totalement bénévole, on a toujours été bénévole. Nous, on sera toujours. Mais maintenant, il faut que toutes les composantes du club se réveillent. On est alerté depuis des mois par les salariés. Les salariés doivent aussi maintenant se manifester. Pourquoi pas les joueurs également, qui ont été bafoués dans les enregistrements qu'on a fait passer, où on les menaçait d'abandon de poste. S'ils ne venaient pas se réentraîner, les joueurs doivent se sentir insultés, les partenaires, les supporters, la mairie de Bordeaux, tous ceux qui aiment les Girondins de Bordeaux doivent se soulever, doivent dire stop. Les Girondins de Bordeaux, c'est quelque chose qui fait partie de nous, c'est quelque chose qui est au fond de notre cœur, et on a marre de voir ce club traîner dans la boue. Et aujourd'hui, ça doit être le début d'une nouvelle ère, ça doit être le début de la reconstruction, et c'est vraiment le but. Et on avait tellement interpellé M. Alain Juppé, qui nous avait écouté pendant une demi-heure, qu'il avait repoussé le vote du conseil municipal pendant 15 jours. Non, on est écouté, mais sans doute pas assez par King Street, qui ont le pouvoir décisionnaire pour changer cette équipe opérationnelle, parce qu'encore une fois, ça c'est l'urgence. Et nous, on veut pouvoir se reconcentrer sur la vraie urgence. L'urgence prioritaire, la plus urgente, c'est que l'équipe opérationnelle soit remaniée. Mais la vraie urgence, c'est de sauver le club. Depuis 2 ans, on a créé un trou abyssal, on a fait n'importe quoi, on a une masse salariale qui est supérieure à l'équipe de la Ligue des Champions en 2010. On est passé de 220 salariés à 310 salariés en l'espace de 2 ans. On a un club en hémorragie financière à tous les niveaux. On veut nous remettre au travail, on veut que toutes les bonnes volontés puissent se remettre au travail. Et actuellement, ce n'est pas le cas avec cette équipe opérationnelle qui bloque tout et qui empêche toute réunion de travail et toute remise en route de notre club, et qu'on se concentre enfin sur l'essentiel, qui est la. Est-ce que ce rassemblement d'aujourd'hui, pour vous, c'est un succès? Est-ce qu'il ressemble en tout cas à ce que vous aviez imaginé? Bah écoutez, je pense que c'est un succès. Il y a du monde. Il y a du monde. En tout cas, nous, on a voulu valoriser notre club pendant ces 10 jours où on a lancé la campagne « Nous les Girondins ». Et il y a eu un retour sur les réseaux sociaux qui a été assez impressionnante. Et puis surtout le ralliement de tous les anciens gloires qui n'ont pas fait ça pour la photo. Ils ont fait ça parce qu'ils se sont renseignés sur la situation. En tout cas, vous pouvez nous faire confiance sur ça. Hein. Nous, on ne voulait pas que ce soit carnaval. On voulait vraiment que tous les joueurs qui se mettent derrière cet écriteau savent pourquoi ils le font. Mais tous les anciennes gloires, vous savez, on parle avec elles régulièrement et tous ont le même constat. Tout est fait à l'envers dans ce club. Et il faut arrêter. Il faut remettre en avant ce qui marche. Bordeaux est un vrai club populaire. Il faut se réouvrir à l'extérieur, il faut refaire venir des enfants au stade. On nous parle de charité quand on nous parle d'invitation, alors qu'à l'Escure, il y avait des milliers d'enfants qui étaient invités et qui étaient des futurs supporters, des futurs joueurs. Il faut relire les clubs de la région, au lieu de les faire payer comme c'est fait, il faut recréer le lien avec les supporters. Les supporters bordelais sont un grand peuple qui s'est manifesté. Bordeaux-Juve, hein, ça a marqué toute une génération en 85. On se souvient tous de Milan où la ville de Bordeaux était dehors. On se souvient tous des 120 000 personnes au Quinconce pour le titre en 2009. Il y a un vrai amour de la population bordelaise pour son club.
Et maintenant, il faut que ce club revive. Ça a été assez présent dans la campagne municipale, à la montée ? Ouais, franchement, ouais, ça a été assez présent. Nous, encore une fois, on est apolitique, hein, c'est quelque chose dont on y tient absolument presse, mais ce sont les représentants du le patrimoine de la ville. Nous, il nous a toujours semblé logique d'interpeller les politiques, on l'a toujours fait. Et même eux nous ont souvent également associés, puisqu'on avait grandement participé à la construction du stade René Galis. On avait été consulté dès le départ. Donc voilà, donc oui, les Girondins ont été dans le débat de la campagne municipale et c'était vraiment notre but. Hein. Encore une fois, le but c'est de faire comprendre à quel point les Girondins de Bordeaux sont importants pour le peuple bordelais et les représentants du peuple bordelais en ont beaucoup parlé. Mais maintenant, c'est bien de parler, maintenant il faut agir. Et c'est la semaine prochaine qu'on doit agir, j'en appelle à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le point de départ d'une nouvelle ère et dès la semaine prochaine, des choses doivent se passer. Nicolas Florian nous a, s'il est élu, excusez-moi pour ses concurrents, Nicolas Florian nous a invités dès la semaine prochaine. Si Nicolas Florian, on sera reçu dès la semaine prochaine à la mairie. Et faites-nous confiance, on a beaucoup parlé avec la mairie, avec tous les personnages politiques. Maintenant, il y en a marre de parler. On a tout expliqué de A à Z. Maintenant, il faut passer aux actes. Et il faut que M. Longuepée, accompagné d'Anthony Chaudet, accompagné de M. Poupard, qui est en train de prendre ses fonctions, reprenne le train vers Paris. Vraiment, 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 vraiment. Merci à tous. Merci. Passez derrière la banderole, s'il vous plaît, maillot. Passez derrière la banderole. Ça va ? Passez derrière la banderole. Bon, on espère que vous vivez ce direct. On fait le maximum pour vous partager ça et que vous avez profité de l'interview de Florian Brunet qui est porte-parole des Ultramarines qui organise ce rassemblement aujourd'hui. Voilà, on espère que vous profitez des images et de ce moment en direct avec Web Girondin. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein. Beaucoup, hein. Les gars, sur juste là, reculez, s'il vous plaît, reculez, s'il vous plaît. On les voit, les anciens des Ultramarines sont là. Laurent Perpignan, Florian Brunet, Romain Nancy, Romain, je crois, j'ai oublié son prénom. Passez derrière la banderole, il y a des gens qui sont derrière la banderole, je ne connais même pas. Les gars, allez, 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 allez. Il y a aussi des journalistes qui sont là. Étendez la banderole, étendez-la bien. Tenez-la bien, étendez-la, étendez-la. Thank you.
Envoyez-moi du like là sur le live. Envoyez-moi du like là. C'est pour nous aider et faire remonter cette vidéo. Sont tranquillement en terrasse derrière. Ah, chaleur de ouf. Il fait très chaud. Allez, s'il vous plaît, les gens qui sont ici, il faut passer derrière. Les responsables des ultras qui sont devant, vous pouvez passer derrière, merci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bordeaux, c'est la cathédrale de Berlin. Et on a la mairie de Bordeaux qui est juste derrière. Est-ce que vous avez vu le monde ? Supporters de l'Union qui est là. On est là, ultra, ultra. Faites de tout cœur avec vous les filles.
est là, on est là. Qu'est-ce que Florian? Et on est là. Et on est là. Si Florian. Et on est là. Il va y avoir des prises de parole au micro, hein, des membres devant la foule sur l'estrade. Non, je suis passé par là, ouais. Et vous savez ce qui se passe ou Oui, c'est la mobilisation, je crois, des ultras par rapport à ce qui est devenu le de Bordeaux, ouais. J'ai vibré avec les Girondins, ouais. Ouais. Et donc vous en pensez quoi du coup de ce qu'ils font? Je trouve que c'est bien qu'ils se mobilisent. Ouais. Je trouve que c'est bien qu'ils se mobilisent. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un vrai problème au niveau de la gouvernance et de ce qui est en train de devenir. Donc je trouve que c'est très bien. C'est quoi votre prénom? Florent. Florent, non merci. Et je voudrais confirmer à tout le monde que je ne dénoncerai pas, je n'en ai jamais eu l'intention. Je dénoncerai pas cette haine. Et non, moi, je supporte la haine. Et le cible, il n'y a pas de la haine avec ce point.
et puisque sur les réseaux sociaux, ils me disent que je vais être traîné dans le grand avec eux, moi et ma famille, et que je vais quitter le bord de la contingence de partir de la chute de plus en plus. Et qu'ils continuent à faire cela, je vais leur foutre des euros parce que je vais maintenant parce que ça va. Ça va. Se vante de faire la maille devant la DNCG, c'est-à-dire qu'à expliquer que la saison dernière on a réussi un petit peu à les endormir. Au mois de janvier il y a eu quelques problèmes, donc à nouveau prochain mercato, on va être en prochaine trêve, il va falloir à nouveau endormir la DNCG. Ils se vantent de ce genre de choses-là. Mais à un moment donné. On vient d'entendre Christophe Gugari, c'était un extrait audio, ce sont des extraits audio. Au-delà d'un projet sportif qui reste leur priorité, développer une grande marque de sport international, la présence et le déplacement de l'équipe professionnelle du Paris Saint-Germain. C'est un gueux qui possède le château. Quoi ? Un gueux ? J'ai jamais vu une ambiance comme ça à l'ESQ. C'était électrique. Le public était en transe plus d'une heure avant un match. Ça chantait de partout. On a pleuré carrément. On pleurait. C'est-à-dire qu'on est rentré, on est parti reconnaître la pelouse et les supporters, ils étaient hystériques et on était pris par l'émotion. Enfin, on était plusieurs joueurs à être pris par l'émotion carrément. Qui vante la qualité du jeu bordelais, mais c'est le fruit d'une organisation à terrain en loin en place. En disant au quartier dans lequel j'habite, qui cherche une adresse. J'ai des gamins qui me emmènent ma fille à l'école. Tu bluffes, Martini. Tu bluffes. Parce que je suis de la ville de Biarritz, bluff. On vote. Moi je vote et je dis bluff. Voilà, pour des pros du marketing, moi c'est toi. Mais tu vois, passer partout, c'est fait virer partout et a laissé une image abominable partout. Donc, moi, ces gens qui ont changé de poste en étant passés partout et en laissant une image aussi déplorable.
question, je veux savoir. Oui. Sac à merde, c'est une insulte. Tu vois, je pose la question comme ça, c'est une insulte. Sac à merde. Les leaders vont parler. Personne vous persuader qu'un supporter de Bordeaux, 15 ou 20 personnes! Jamais! Jamais!
Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Le meilleur! Yeah! Confinement, c'était horrible, absolument terrible. On est tous restés chez nous, surtout en même temps, on pouvait rien dire. En même temps, on avait un club qui était en train de nous prouver, si besoin était, qu'il était en train de chuter dans une chute qui ne s'arrête plus. On l'a dit, on le répète, aujourd'hui on a des gens qui possèdent, qui ont acheté le poids du mot, le sens des mots, des gens qui se sont payés notre club. Et maintenant qui se paye de notre gueule? Qui monte? Qui monte? Et qui monte encore? C'est la réalité, les gens d'un moment. Je vais finir mon disque, je vais laisser la parole à Florian. J'aimerais une dernière fois te remercier. Te remercier d'être là, te remercier d'être venu, te remercier de nous aider. Et surtout, ces dernières années, on a souvent répété, rappelle-toi, le club c'est avant tout les supporters. On l'a dit, on l'a martelé, on l'a répété à une époque où on avait des gens comme Jean-Luc Rion qui au moins avait le club à la tête, à sa tête. On l'a dit, on le répétait à l'époque. Mais aujourd'hui, plus que jamais, la seule chose qu'il y a de magnifique au Girondin de Bordeaux en avant que ces gens partent, c'est toi. La seule chose qu'il y a de beau dans ce club, c'est toi. La seule chose qu'il y a de vrai dans ce club, c'est la passion. C'est la passion de club. C'est toi qui as ton club et qui est toi. Bravo à toi. Bravo à toi. Et une dernière fois, puisqu'ils veulent sortir ce nom de notre logo, il entend le maire. Il entend. Faut que le prochain maire l'entende aussi. Avec René Galis, ce ministre, Siatek et plein d'autres. Nous avons ensuite donné le nom du stade, nos aînés, nous raconter les tristes soirées des années 70. Et ensuite, ces deux grands matchs que nos pères, que nous pays peut-être, nous avons vécu, que certains ont vécu ici. Et ensuite, ce grand peuple du Girondin de Bordeaux qui se réunissait pour la Juve en 85, qui remplissait le VHU débordé, ce magnifique peuple du Girondin de Bordeaux qui a connu la gloire des années 80,
Les Lions de Fort. Ensuite, les Anémonies, la descente en Ligue 2. C'est un peu à l'aveugle, les gars. C'est un peu à l'aveugle. Les revenus en Ligue 1, les déplacements dans les coins reculés de la France, où l'on faisait honneur, où l'on faisait honneur, on n'a rien lâché. Et après, on a retour des Maudits. Après, les belles années, l'Europe, Zinedine Zidane, Digali, Lizarazu. C'est notre histoire, les gars. On est là pour lui faire honneur. On est là pour lui faire honneur. C'est ça, les journées de Bordeaux. Milan, où toute la ville était dehors. Tout un peuple était dehors. Il n'y a que le feu. Il n'y a que les Girondins de Bordeaux qui ont fait ça à Bordeaux. Ensuite, le titre de 99. L'Aslam et tous les autres. Les fous. Et les années 2000. Les années 2000. Où on commence les années. Avec la campagne direction d'émission. Et oui, le village sud n'a pas attendu King Street pour faire entendre la voix du peuple bordelais. Au début des années 2000, une campagne de plusieurs années pour que notre club retrouve son rang. Et humblement, on a contribué, nous, le peuple bordelais, à vivre les magnifiques années qu'on suivit, 2007, 2008, 2009. Le toit de l'Europe, le titre en 2009. Les 120 000, les 120 000 places des Quinconces, l'ambiance de folie à Caen. Et l'année suivante, le toit de l'Europe, on faisait partie des meilleures équipes européennes. Souvenez-vous, Olympiakos, souvenez-vous les poules, on était la meilleure équipe européenne. Mais aussi la Juventus et le Bayern. Une épopée européenne formidable, inédite. Et on l'a vécu tous ensemble. Et ces moments-là, c'est le moment qui nous unissent. Et aujourd'hui, c'est un moment plus difficile, mais on se rend compte que le peuple répond malgré tout. Et je voudrais vous saluer à tous, merci pour ça. Parce qu'on est là dans les bons moments, dans les sortes de braves. Et aujourd'hui, on démontre aussi dans les combats. Dans les combats, on est aussi présents. Merci à vous. Et ensuite, le début des années difficiles. Le début des déclins. Les Coupes de France tout de même. Et des moments difficiles. Le village vide. Contre Sochaux, vous en souvenez, 4 qui venaient au milieu de 4000 personnes prendre le mégaphone pour s'excuser au nom du club. Et après, des années compliquées où on a toujours mis la pression pour que notre club retrouve son rang, pour que notre club garde ses valeurs populaires. Ce club, c'est avant tout vous tous qui êtes ici, qui avez contribué à tous ces moments magiques qui nous appartiennent. Il n'y a que nous qui pouvons les comprendre, personne d'autre, et certainement pas des Parisiens présents aux Girondins depuis un ou deux ans. Il n'y a que nous qui pouvons comprendre ce que c'est que ces moments-là. Et ensuite, M6, qui n'a injecté plus d'argent, à chercher un repreneur. M6, nous a vendu le projet américain, le projet GACP, le projet King Street. On est en août 2018, mais que personne vienne dire que le virage sud n'a pas toujours, que tous les supporters n'ont pas que le virage sud, que tous les supporters n'ont pas défendu nos couleurs depuis des décennies. Nous, le virage sud, les ultramarines, on est nés sous l'ère Belz. Belz était un grand président, mais pendant plusieurs années, il nous a fait la guerre. C'est dans notre ADN de nous battre. Dans notre ADN, pour notre club, pour notre tribune populaire. Pendant toutes ces années, le club, les Girondins, les supporters ont répondu présent en mettant une pression positive. Un riche partenariat avec le club, a existé pendant 20 ans. Le point d'orgue, l'apogée de ce partenariat, c'est Adrien Lescure. Adrien Lescure, qui ne s'en souvient pas ici? Qui ne s'en souvient pas ici?
Il vaut mieux faire vous que le lycée pour moi. Il vaut mieux faire vous que le lycée pour moi. Voilà, voilà. On n'a vraiment pas le droit de. Non, mais. Monsieur Hermic est présent, mais il ne peut pas s'exprimer. Voilà. Imaginez un petit peu que par rapport au club, au début du groupe, on avait des difficultés pour poser la bâche, pour avoir des places en déplacement, pour avoir, on s'est toujours battu aussi pour avoir des abonnements avec des prix pour tout le temps, pour tout le monde. Ça, c'était les combats qu'on menait au tout début. Et ces combats-là nous ont menés avec le club à force du dialogue et à force de coopération. À ce moment-là, adieu l'escure, qui résumera un petit peu toute la relation qu'on a toujours eue avec le club, des difficultés jusqu'au moment les plus merveilleux. Et adieu l'escure, dans un passé proche, malgré tout le respect qu'on avait pour M. Trio, tout le poids du groupe a pesé. Le match était programmé le dimanche à 14h. Grâce à vous, grâce à nous, grâce à tous les supporters bordelais, on a réussi à faire déplacer l'heure du match du dimanche 14h au samedi soir. La fête n'aurait pas été la même. La fête n'aurait pas été la même. Et ça, c'était la force du grand peuple bordelais. Les années ont su passer. On sentait bien que M6 était sur le départ. Notre stade a été construit. Ce stade auquel on a participé également à la réflexion. Ce stade qu'on a prénommé le stade René Galis en hommage d'un illustre. Tellement symptomatique de nos valeurs, tellement emblématique de nos valeurs. Pour Galice, on s'était battu. Quand j'entends encore, vous étiez trop proche de Trio, t'étais avec moi, Hugues. Ce jour-là, une réunion où Trio nous dit vous aurez 3000 places en partie debout et qu'on se bat toute une après-midi pour avoir 4000 places. Et croyez-moi, ces réunions étaient houleuses. On n'a jamais fait de copinage. On n'a jamais fait de copinage. On a dit toujours la seule chose qui nous motive, c'est le respect du club, de son histoire, de ses valeurs, le respect de la tribune populaire. La seule chose qui nous motive, jamais un ultra n'a gagné un centime, jamais un ultra ne gagnera un centime. C'est nos valeurs, c'est nos principes, faites-nous confiance pour jamais en vivre. Et c'est très important parce que par rapport au club, on garde notre indépendance. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un contre-pouvoir et de pouvoir après aller au dialogue. Nous, tout ce qui nous motive, c'est de repasser des bons moments ensemble. Des grands qui se battent pour quelque chose. Des joueurs qui représentent le maillot. Et puis surtout, un club qui respecte ses supporters, qui respecte l'histoire, qui respecte ses valeurs. Relue ces grands moments. En tout cas, merci. Et là, je le dis au nom du directoire ultramarine, sachez que c'est un honneur de vous représenter, un honneur d'être votre porte-parole, un honneur d'être votre voix. Merci infiniment de l'honneur que vous faites. Et on essaye de se battre le plus justement possible pour
pour que notre club retrouve ses couleurs et pour qu'un jour, tous ensemble, on revive des grands moments. Et puis avec tout le soutien que vous voulez nous apporter, avec tout le soutien que vous êtes en train de nous apporter, je crois qu'on a parti pour 10 ans! Et attends. Oh! 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 Jusqu'au fond, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains! Jusqu'au fond! Et que ça peut être les gars! On s'est remémoré, on n'a pas besoin de se remémorer, ils sont en nous ces moments-là. C'est notre rythme, c'est notre histoire. Et c'est ça les Girondins de Bordeaux avant toute chose. C'est cette histoire commune, ces moments communs. Bon les gars, on fait le max pour vous apporter des bonnes images. Les Américains. On espère que ça va partager la vidéo. Comment ça se manifester? Nous on ne fait pas de procès d'intention. On n'en a jamais fait. On juge ce qu'on voit, on juge les actes. Les paroles, on s'en fout. Taverneau, Nicolas Taverneau, fait tout pour nous rassurer. Encore une fois, pas de procès d'intention. Et puis arrive mi-août, mi-août 2018, où on est déjà alerté par des salariés qui nous disent que des pratiques qu'ils n'ont jamais eues sont déjà utilisées. Nous étudions tout le projet. Nous regardons ce projet. GACP. KS, le financement, nous nous apercevons qu'il n'y a que de la levée de dette, qu'il n'y a aucun fonds propre, que le montage est bancal, des coquilles vides par-ci, des coquilles vides par-là, un montage financier qui n'apporte aucune sécurité. Et puis on s'intéresse aux pénuries de ceux qui portent ce projet, des réputations sulfureuses, et on décide, en donnant à notre âme et conscience, de lancer la campagne Hands Off FCGB. Après une très très longue réflexion, après avoir tout étudié pendant des heures, des jours, avec toute notre tripe, nous avons entamé ces 2 ans de combat pour que notre club ne soit pas laissé à n'importe quelle main, pour que notre club ne disparaisse pas, car 2 ans après, il est bien là, l'enjeu. Le premier étant de changer l'équipe opérationnelle actuelle, mais le plus urgent, le plus grave, est de sauver notre club qui en 2 ans a creusé un trou financier monumental. Monumental. Nous lançons donc la campagne Hands Off. Nous tapissons la ville de Banderol. Encore une fois, le peuple bordelais répond présent, nous fait confiance, se mobilise. Souvenez-vous, Bordeaux-la-Gantoise. Sans doute la plus grande ambiance. Ah, sans aucun doute, avec Liverpool, Montpellier, le premier match. C'est la plus grande ambiance, la Gantoise, la plus grande ambiance. Et vous voyez, le grand peuple bordelais, il se réveille pour une qualification pour les poules d'Europa League. Et ce soir-là, comme vous vous souvenez, Étoile Rouge de Belgrade, c'était grand ce soir-là. C'était grand. Et avant le match, on s'était réunis. Vous aviez répondu présent, on était 3-4 000. Et on vous expliquait qu'on ne voulait pas que notre club soit laissé dans ces mains-là. Que Taverneau, la mairie de Bordeaux, devait empêcher cette vente. Elle était trop risquée pour notre histoire. Trop risquée. Vous avez répondu présent et ce soir-là, brillamment, une grande ambiance encore une fois. 2 ingrédients ce soir-là. Il faut s'en souvenir. Parce qu'aujourd'hui, on construit l'avenir. Aujourd'hui, c'est la première pierre d'une nouvelle ère. Donc souvenons-nous de ce qu'a marché. La Gantoise, 2 ingrédients. 2 ingrédients. Une équipe qui se bat sur le terrain. Une équipe qui joue quelque chose. Une équipe qui fait honneur. Et des tarifs populaires. Des tarifs raisonnables. Parce que le peuple bordelais, c'est des ouvriers. C'est des étudiants. C'est pas la vente aujourd'hui. C'est le peuple. C'est le club avec les moyens libéraux. Et ce soir-là, les tarifs étaient raisonnables. Très raisonnables même, c'était 5 euros pour tout le stade. Tout le monde est venu. Le virage était magnifique.
des jeunes de partout qui faisaient des bons de 3 lettres et une ambiance incroyable. Souvenons-nous-en pour le futur. Souvenons-nous-en. Alors, on ne vit pas ici, hein. Mais s'il y en a un qui vit ici, je viens faire la parole. Hein. Excusez-moi, je ne ferai pas tout à l'impro. Il va quand même falloir suivre. Parce que si. aujourd'hui, on veut vraiment vous expliquer ce qui s'est passé. On veut vraiment que tout le monde comprenne le sens de notre combat. Et surtout, on veut déjà préparer l'avenir. Nous on sait, on l'a vécu. Depuis qu'on est tout jeune, on est responsable des ultras. On sait ce qui marche à Bordeaux. On sait ce qui doit servir de fondation pour le futur. C'est ça qu'on doit aujourd'hui. On est en septembre 2018. Votre pression est incroyable. On est reçu derrière par la mairie avec Laurent. On est reçu par Alain Juppé. On était surpris. Connaissez pas le dossier, mais pas loin. On lui a tout expliqué. Il nous a longuement écouté. Après, il a dit taisez-vous. Il a tenté au départ plutôt ça. C'est vrai. Non, il nous a écouté religieusement. Et on l'a fait douter. Et ce qui était terrible, c'est qu'on a pris conscience ce jour-là que le maire de Bordeaux n'avait absolument aucune idée de ce qui était en train de se passer. Et c'est quelque chose de fondamental pour la suite. À tel point. J'espère que vous kiffez bien, partagez la vidéo sur YouTube. Ça c'est votre victoire, c'est notre victoire. Sans les ultras, on n'aurait pas parlé des Girondins de Bordeaux pendant encore 15 jours à cette période-là. C'est votre victoire, votre mobilisation, notre mobilisation. On sait le faire ça, on répond toujours présent. Le 3 octobre 2018, dernière rencontre avec Nicolas Taverneau. C'était avec Marc, il est où Marc? Il est pas là Marc. Et croyez-nous, on lui a expliqué le reste à Taverneau. Croyez-nous. Salut Kevin, ça va très bien. J'espère que vous aussi, ça va. Vous nous avez amenés sur le toit de l'Europe et vous nous laissez dans la cave. Vous nous vendez à n'importe qui. Et ça nous plut. On n'oubliera jamais. Il a essayé de défendre bec et ongle. Croyez-nous, toute votre colère, votre déception, ce jour-là, on l'a exprimé et violemment. Faites-nous confiance sur ça. Nicolas Taverneau défendra le projet bec et ongle, nous faisant croire qu'il y croyait, car on voyait au fond de ses yeux qu'il n'y croyait pas, mais que la vente était actée pour des sombres objectifs financiers. Notre club a été vendu comme un pur produit financier pour faire remonter l'action d'M6. On oubliera. On dira ce soir-là si la vente va au bout. C'est nulle part ça, les gars, ce que vous vivez là, c'est les Girondins. Nous tiendrons partager. Nicolas Taverneau pour principal responsable, lui qui nous a promis maintes fois qu'il ne céderait pas le club à des gens sans projet sérieux. Il a cédé le club à des gens sans projet sérieux. Nous n'oublierons jamais. Le 11 octobre, les élus votent à l'unanimité. Non. Le 23 octobre 2018, coup de théâtre, les fonds ne sont pas arrivés et le closing est alors reporté officiellement. En raison, paraît-il, d'un problème administratif, ça capote déjà. Malheureusement, ce qu'on vous a dit ce soir, le 30 octobre, sur ce podium, pour la Gantoise, avant le match, à la fan zone, on aurait les temps aimé se tromper. Malheureusement, notre analyse était juste, on avait vu tout juste, jamais. On a autant espéré avoir tort. Le 5 novembre 2018, la vente des Girondins est effective. Le 30 novembre 2018, nous rencontrons John Avança. Bon, rien. Vous savez, celui qui nous promettait la Ligue des Champions, celui qui nous promettait 80 millions de d'investissements sur 3 ans, celui salut Alain. Qui nous disait nous ramener au plus haut, nous redonner notre rang et qui nous attend déçus. Ce jour-là, on a été extrêmement agressif. Encore une fois, comme on sait le faire, on lui a en anglais exprimé nos sérieux doutes. On lui a exprimé qu'on n'avait pas confiance en lui, qu'on ne croyait pas dans son projet, qu'on ne croyait pas dans les gens qui l'entouraient, qu'on ne croyait pas dans le mécanisme financier. On n'y croyait pas.
mais qu'on ne demandait qu'une chose, c'est qu'il nous fasse changer d'avis. Et qu'on allait lui donner sa chance. Et qu'il allait nous sortir derrière lui. Et qu'on jouerait le rôle qu'on a toujours joué, de partenaire du club. Et qu'on l'aiderait à ce que le club retrouve son rang. Il nous a écoutés avec respect. Il s'est comporté en homme. Et croyez-moi, c'était les personnes là, présentes. Vous savez, quand ces gens-là sont en colère, c'est difficile. Ce jour-là, on était... Et il a baissé les yeux, il a fait face. Il nous a donné confiance. Et on lui a dit, nous vous avons fait la guerre. Maintenant, quoi qu'il en soit, nous sommes devenus partenaires. Nous ne vous ferons pas de cadeaux. On n'a jamais fait de cadeaux à personne. Et nous pourrons également être vos meilleurs alliés. Pour ceux qui nous rejoignent, on est Place Pébernan à Bordeaux. Et c'est Florian Brunet, le porte-parole des Ultramarines qui s'exprime. En décembre, arrive. C'est peut-être à son arrivée la seule fois où il a eu une bonne idée. La seule fois. Il a demandé à me voir en tête à tête. On s'est vu en tête à tête pendant 2-3 heures. Ses premiers mots ont été de me sortir des amendes de fumigène. Alors on avait fait fort, il y avait déjà 100 000 euros apparemment en décembre. Il y avait eu l'épisode de la reprise, donc on était assez en colère. Et parfois, les fumigènes, c'est pour faire la fête, c'est pour fêter les buts. Et puis parfois aussi, c'est pour manifester notre colère. Donc on n'y avait pas été de main morte. Et effectivement, ses premiers mots ont été ceux-là. Il m'a sorti l'amende cumulée des fumigènes. Je lui ai dit, heureusement que je suis venu tout seul. Heureusement que je suis venu tout seul. Pendant 2 heures, je lui ai tout expliqué. En votre nom. On lui a tout expliqué. Parce que moi, je suis vous, moi, je vous représente, je suis rien d'autre. Il y a beaucoup de monde. Hein. On lui a tout expliqué. Plusieurs milliers. On lui a expliqué notre histoire. On lui a expliqué les 20 ans de partenariat avec le club. On lui a expliqué adieu l'escule. On lui a expliqué comment était organisée la sécurité. On lui a expliqué quelles étaient les valeurs de notre club. Ce fort côté populaire. Ce public jeune. Des classes populaires. Cette obligation de maintenir des tarifs raisonnables. De faire particulièrement attention au virage sud. De faire confiance au virage sud. De remettre le sportif au centre. On ne lui demandait pas la Ligue des Champions. Peut-être même pas l'Europe, mais au moins de la jouer. Ah, l'Europe pour Bordeaux, c'est naturel. Mais on veut avant tout une équipe qui se bat sur le terrain. C'est ce message-là qu'on lui a passé ce soir-là. Il avait toutes les cartes pour être un bon président. On lui avait tout expliqué. Qu'il ne vienne pas aujourd'hui parler de dialogue. Qu'il ne vienne pas aujourd'hui dire qu'on refuse le dialogue. On lui a donné toutes les cartes pour réussir. Cet homme ne respecte jamais sa parole. Et surtout, cet homme n'écoute que lui. C'est pas possible. Ce soir-là, il n'a rien écouté. Car il a fait tout l'inverse de ce que je lui ai expliqué en votre nom. Tout l'inverse. Et puis, de janvier à mai, on a toujours été méfiants. Vous savez, comment dire, on n'est pas des moutons de panurge. On ne la fait pas. On a de l'expérience. On est méfiant de tout. Hugo Varela, Giona Grossa, humainement, il n'y a rien à dire. Chaleureux. Mais on s'en fout des grands sourires. On s'en fout des bons moments. Ils venaient au local, ils restaient la soirée. On s'en fout de ça. Nous, on veut que notre club y revienne en haut. On veut que la tribune soit respectée. On veut que le club soit respecté. On veut retrouver notre rang. Les tapes dans le dos, les sourires, les coups en bois. On n'en a rien à foutre de ça. Et puis, on apprend à vivre avec Frédéric Longuepé. Comme on l'a toujours fait. C'est-à-dire des coups de téléphone réguliers. J'ai cette responsabilité, encore une fois, que je fais en votre nom. Depuis plus de 20 ans, il n'y a que moi qui parle au président en direct pour éviter que la voix se disperse. Et le soir, on s'est vu en tête à tête, la première fois où on s'est vu, je lui ai demandé son téléphone, normal, pour que ce canal se mette en place. Il ne voulait pas me le donner, ce qui donne une idée du personnage. Il a fini par me le donner sous la contrainte. Et donc, on va l'appeler. Je l'ai toujours... Alors
Non. Et donc, on est 15, ouais. On est 15. Et donc, cette relation s'instaure, encore une fois, sans procès d'intention. On peut comprendre qu'il faut du temps pour rentrer dans la fonction. Comme ça avait été long aussi pour Stéphane Martin. Et ça n'avait pas toujours été facile pour Stéphane Martin. Et on était arrivé à la fin, à une bonne relation. Donc on comprend que pour Frédéric Longuepée, les choses ne soient pas simples au début. Et puis, on les écoute. On les écoute beaucoup. Ils font des interviews. Le climat est apaisé. Ils nous expliquent leur philosophie. On commence à faire des réunions. Et on commence à analyser cette différence philosophique, car le fond du problème, il est vraiment là. C'est deux visions du football totalement opposées. Deux visions du football totalement opposées. Et une vision du football portée par eux, qui n'a pas marché à Bordeaux. Alors il y a Philippe Fargeant qui est là. Philippe Fargeant. Il nous explique cette philosophie. Il nous explique avant toute chose qu'il faut à tout prix faire venir les entreprises au stade, qu'il faut que les entreprises négocient des contrats. Les loges, c'est 800 personnes. C'est pas 40 000, c'est 800 personnes. Donc, leur importance dans le débat, elle doit être à l'échelle de ces 800 personnes sans vraiment négliger personne. Mais nous, on préfère penser aux 40 000 qu'avant de penser avant tout à ces 800 personnes dans les loges. Et puis surtout, on voudrait que ces 800 personnes dans les loges, à la mi-temps, elles reprennent leur place. On voudrait que ces 800 personnes dans les loges, elles s'intéressent au football. Hein ? Elles ne viennent pas négocier des contrats. Elles viennent parce qu'elles aiment le club. Elles viennent parce qu'elles supportent le club et elles respectent le club. Elles viennent regarder le match. On nous explique qu'on vient au stade pour 100 euros et pas pour 40. Et vous imaginez quand on entend des trucs pareils. Philippe Poupé, là, c'est l'autre, il est en train de nous expliquer, Anthony Thionnet, qu'il faut monter les prix. Parce que c'est comme ça qu'on fera venir les gens. Il faut savoir que j'ai demandé des interviews aux candidats. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer la veille des élections. Donc Pierre-Éric a failli, mais il n'a pas le droit. Il pourrait être sanctionné, et Philippe Poupé aussi. Donc je vais le filmer, donc on ne pourra pas aller leur parler. Le poids de l'histoire, le poids de la responsabilité, on sent cette responsabilité, là-bas avec la casquette. Cette longue histoire des Girondins de Bordeaux, cette longue histoire des supporters bordelais, cette longue histoire du virage. Non, on n'est pas susceptible. On n'est pas susceptible. Il n'y a qu'une chose qui nous motive, c'est l'intérêt supérieur des Girondins de Bordeaux et du virage de rien d'autre. Donc on les laisse parler. On écoute. On se dit, c'est pas possible. On va leur expliquer, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que tout doit partir du sportif. Tout doit partir du sportif. Il nous explique qu'il faut créer tout un tas d'animations autour du terrain. Et qu'importe si les gens viennent autre chose, viennent pour autre chose qu'un match de football. Qu'importe les résultats sportifs. Il nous explique ça pendant des mois. Et nous, on leur explique. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tout doit partir du sportif. Le public bordelais, les supporters bordelais viennent avant tout voir un match de football. En 2010, on n'avait pas des animations à droite à gauche, on n'avait pas de panzone, on avait des buvettes authentiques, il n'y avait que le terrain, il n'y avait que le terrain. Pas bien. On vous laisse écouter le discours, on fera des interviews après. Donc on vous laisse écouter. On nous explique encore. Ces gens-là, ce nouveau public, ils nous expliquent qu'il faut faire venir un nouveau public. Mais pourquoi faire venir un nouveau public? Comme s'il n'y avait pas de public à Bordeaux. Comme si Bordeaux n'était pas une ville de foot. Et c'était qui ces 120 000 au Quinconce? C'était qui? C'était pas des supporters bordelais, les 120 000 au Quinconce. Et tous ces guichets fermés en 2010, ces affluences extraordinaires en 2010, et dans un passé plus récent. C'était qui contre la Gantoise? Ce stade formidable contre la Gantoise, contre Liverpool, contre Montpellier, au stade René Galice. Le public bordelais existe. Ça ne sert à rien de nous raconter qu'il faut aller chercher un nouveau public. Il faut faire revenir. On ne sait pas ce qui est prévu. Il y a Philippe Fargeant qui est là, déjà, qui a été aperçu. Il a grandi dans les grandes années des années 80. Il a grandi avec Zidane.
Il a grandi avec une finale européenne, des demi-finales européennes. Il a grandi avec des titres, Il a grandi avec des hommes qui faisaient honneur et qui ont fait la légende de notre club. Ce public, il est exigeant. Il veut que l'équipe sur le terrain fasse honneur. Et si l'équipe fait honneur, et on ne demande même pas la Ligue des Champions, si l'équipe fait honneur, les gens viendront. Donc la cassure, elle s'est faite là. Elle s'est faite là sur deux visions totalement opposées. Et tellement dangereuse. Regardez où ça allait nous amener. Un public qui vient pour autre chose que pour le terrain. Un public qui se désintéresse. On le voit déjà dans les loges. Vous savez, il y a des coins où on peut boire des coups. Regardez les mecs, ils vont boire des coups, ils ne regardent même plus le match. Si on laisse faire, les gens ne viendront même plus pour le match. Le match en deviendra secondaire. Et si on veut retrouver notre rang, car c'est bien là notre but, il faut un public de passionnés. Pour la Gantoise, on se qualifie, car on est là, car vous êtes là. Contre Belgrade, on se qualifie, car on est là. Le poids, le rôle du public est fondamental. On ne peut pas avoir un public qui n'est pas passionné. Donc on explique ces choses-là, et la cassure se fait petit à petit. Et en mai, c'est en mai. Voilà. Il y a eu la vraie cassure. Frédéric Longuépée a voulu remettre en cause le service de sécurité des Girondins de Bordeaux. Vous savez, c'est quelque chose d'important qu'il faut bien comprendre. Ce partenariat, il est né à la fin des années 90. Il est né un soir de Bordeaux-Lorient. Beaucoup s'en souviennent. C'est un triste soir. C'est un triste soir où le peuple bordelais s'est uni contre l'insécurité du club. Il y a eu des incidents ce soir-là, majeurs. Il y a eu des personnes à l'hôpital. Il y a eu une émeute. Pourquoi ? Parce que le responsable sécurité de l'époque ne nous respectez pas, ne savez pas nous parler, jusqu'à un tel point où ça a été jusqu'aux mains. Ce soir-là était un triste soir, mais ce fut aussi ce soir-là le point de départ d'une nouvelle ère. Et David Lafarge a sorti le club de cette impasse. Vous savez, David Lafarge, on le respecte tous infiniment. Mais Dieu sait que le monsieur n'est pas facile. Et puis, de toute façon, les grandes relations humaines, c'est comme ça. Des fois, on se fâche. Souvent, on se fâche, même entre nous, aux ultras. Dans les réunions ultras, parfois, c'est très houleux. Et les relations avec David, elles ont parfois été très compliquées. Très compliquées. Je vais vous montrer Frédéric Rousseau. Mais pendant ces 20 années, c'est construit une vraie relation de confiance. Une vraie relation de confiance. Et c'est important, parce que David y représente ces centaines de stadiers. Ces centaines de stadiers qui nous ont accompagnés aux quatre coins de l'Europe. Qui nous ont accompagnés tous les matchs de l'année à domicile. Ouais, ouais. On peut leur rendre hommage aux stadiers. On peut leur rendre hommage aux stadiers. Mais une confiance, ça ne s'improvise pas. Une confiance, ça se construit. Et ça s'est construit petit à petit, au fil des années, des 20 dernières années. Et encore une fois, l'apogée de cette relation, de ce travail commun, c'est bien sûr tous les tifos qu'il y a eu, où la coopération avec le club est indispensable. Tous ces magnifiques tifos auxquels vous avez participé. Rien peut-être parfois qu'en levant votre feuille, ou en... Tous ces magnifiques tifos, ils ont été faits par la lumière, nous dans la lumière. Et on va regarder mon compas, toujours la lumière qu'il mérite. Non, plus fort que ça, pour tous ceux qui bossent sur les tifos. Depuis longtemps, c'est notre fierté, notre fierté. Et cette relation avec les stadiers, elle était fondamentale. Et l'apogée de cette relation, c'est à Dieu l'escure, en 2015, c'était formidable. Et c'est aussi grâce à eux, grâce à David Lafarge. Et en cette soirée de mai 2019, Longuépée
veut déjà rétrograder David Lafarge. Jobin Grossin le contredira instantanément. Mais la cassure est là. On termine 14e du championnat. Le mercato est décevant. Alors, on se laisse nous aussi, on laisse les étoiles venir dans les yeux quand on entend la signature de Koscielny. La masse salariale explose. Le début de saison est compliqué. Le mercato, mis à part Koscielny, est quand même décevant. Koundé est vendu alors qu'on devait s'appuyer sur les jeunes. On devait s'appuyer sur le centre de formation. On vend un jeune de 20 ans. Et puis, Longuepé nous appelle, m'appelle, fin août, et me parle déjà du nouveau logo. Et je lui explique que c'est pas le moment, qu'il faut remettre le club sur rail, qu'il faut finir ce mercato déjà, parce qu'on est, je crois, le 24 août, et qu'il faut prendre des points. Et puis ce nouveau logo, on en parlera dans les premières réunions de septembre, comme on en a toujours parlé, parce qu'il est évident que nous tous, on doit être associés à ça. Notre avis doit être prépondérant. On fait des réunions informelles à côté, là, au Grand Théâtre. La foule écoute. Nos amis de GACP font monfler la carte bleue du club dans les plus belles chambres du Grand Théâtre. Et nous reçoivent en catimini. On met la pression déjà pour que Longuepé soit remplacé, pour que cette philosophie change. Car c'est peut-être, cette philosophie n'est pas portée par GACP, mais c'est GACP qui se présente encore comme la direction du club et laisse Frédéric Longuepé nous laisser expliquer sa théorie que je vous explique depuis tout à l'heure. Et il nous présente ce logo. Il nous présente ce logo et on leur explique que c'est pas possible. Il nous explique que c'est lancé avec Adidas. Là, on met une grosse pression. Et on retarde la sortie de ce logo. Et il est dégueulasse. Ce mercato s'est achevé avec un goût amer. Ce sont davantage les promesses non tenues qui ont creusé un sentiment de frustration bien légitime. 14 septembre, réception de Metz. Nous bâchons. Le FCGB ne se reconstruira pas sur des promesses. Et le FCGB n'est pas une marque, mais un club historique. Le 18 septembre, il y a la garden party du club. C'est la dernière fois qu'on parle à Frédéric Longuepé, en tête à tête, avec 500 personnes autour. Mais en tête à tête parce que j'avais quasiment ma tête sur la sienne. Et on lui expliquait, votre théorie, on n'en peut plus. Vos paroles, on n'en peut plus. On vous l'explique depuis des mois. On n'y croit pas à votre projet. Arrêtez de nous parler de nouveau public. Arrêtez de nous parler de marque. Arrêtez de nous vendre du rêve. Le lendemain ou surlendemain, il regarde des interviews où il continue d'expliquer ses inepties. Il se fout complètement de ce qu'on lui explique. Et puis, Metz, Brest. Alors oui, le 21 septembre, déclaration de Longuepé, on sait, regardez ce qu'il dit, on sait que la communauté bordelaise ne vient pas que pour assister à un match ou voir un résultat sportif. Vous venez pourquoi, les amis? Si vous n'êtes pas pour assister à un match ou pour assister à un résultat sportif. Le 23 septembre, nous nous rendons compte de la technique, de la rareté mise en place pour Metz et Brest. C'est le début du scandale de la billetterie. C'est une goutte d'eau de plus. Il simule. C'est passé pour Metz, mais ça a continué. Il simule le virage chute artificiellement fermé pour égaliser les gens autour du stade, pour qu'il n'y ait pas tout le monde au virage chute. Mais on le sait tous, le virage chute est quasiment toujours plein. La tribune la plus remplie est toujours le virage chute. C'est une négation de ça. Ils égalisent les gens autour du stade. Ils empêchent les gens qui veulent nous rejoindre. La cassure est entamée. Le 28 septembre, nous demandons officiellement la démission de Frédéric Longuepé et Anthony Thionnet pour avoir voulu déjà remplacer David Lafarge. Pour nous avoir mis au rang de sponsor. C'était un SMS que je pourrais vous lire là de Frédéric Longuepé qui nous renvoyait, nous supporters bordelais, au communiqué qu'ils avaient fait
pour monsieur Van Nave du Bristol Régent en lui disant on s'occupe de nos affaires. Et surtout pour la différence philosophique béante ayant entraîné l'affaire de la billetterie, notamment fin septembre, des salariés dont nous tenons le nom, mais pas des moindres, qui ont des décennies de présence au sein du club, bien au local, et nous disent on n'en peut plus, faites quelque chose pour nous, intervenez. Ce soir-là, on décide d'accélérer. Tous les gens autour du club nous font part de la catastrophe de tous les choix qui sont faits. Grève de chant pendant 10 minutes contre le PSG. 19 octobre 2019, déjà, le club fait un communiqué qui méprise scandaleusement l'institution. Tribune vide contre Saint-Thé. 29 octobre, nouvelle grève de chant contre Dijon. Début novembre 2019, nous demandons à rencontrer le board le plus rapidement possible. Le board, ce qui dirige le club. Donc encore à l'époque, King Street, GACP, mais également Fortress. Le 16 novembre, la direction nous promet cette rencontre, mais avec Frédéric Longuepé. Évidemment, il n'est plus possible de discuter avec celui qui déjà nous a volé. Le 20 novembre, par le biais d'un communiqué, nous réitérons notre demande de rencontrer le board. Le 29 novembre, on descend à l'entraînement. On va jusque dans le bureau de Longuepé et on lui dit partez, partez. Ça ne marchera jamais, on ne pourra jamais s'entendre. Vous êtes déjà allé trop loin. Partez avant que votre réputation ne puisse s'en remettre. On l'a ni insulté, ni menacé. On lui a fait dire une seule chose, qu'il n'y avait jamais eu de menace de mort. Le 3 décembre, Nîmes-Bordeaux, des banderoles sont empêchées de rentrer par des membres du club. C'est la première fois depuis 30 ans que la liberté d'expression du VHU est attaquée. Sans le vouloir, nous arrêtons le match. Après le match, Frédéric Longuepé fait pour la première fois une sortie après match pour nous, pour nous rabaisser, pour nous attaquer, pour nous parler de l'institution FCGB, pour nous parler des valeurs du FCGB. Cette déclaration est scandaleuse. À partir du 6 décembre, nous interpellons KS en anglais. Le 11 décembre, nous rencontrons Nicolas Florian. Longuepé veut nous disperser, nous, peuple bordelais. Oh, ce soir-là, il veut qu'on soit dispersé au coin, aux quatre coins du stade. On le fait reculer. On le fait reculer sous la pression populaire, sous aussi la pression des politiques, mais sous avant tout la pression du peuple. Et nous nous retrouverons comme d'habitude en haut de la tribune. Ce soir-là, on a 80 stadiers dépêchés d'une sécurité de Paris pour nous accueillir au stade. Le virage sud, c'est pas une boîte de nuit. Le virage sud, on ne bombe pas le torse. Au virage sud, on respecte les gens, on respecte l'histoire, on respecte l'organisation. Il ne peut y avoir que des stadiers qui sont là depuis longtemps, qui ont fait leurs preuves petit à petit, en qui nous pouvons avoir confiance. Ce soir-là, ça prend pas 30 secondes avant qu'il y ait des incidents notables vis-à-vis d'une sécurité qui croit exercer dans une boîte de nuit et qui bombe le torse. Le 10 janvier, nous sommes éliminés par Pau. Petite anecdote, le lendemain de cette élimination, les salariés nous racontaient à quel point tous les nouveaux salariés, vous savez, les 220 jusqu'à 310 qui sont actuellement rigolés au Royan, rigolés. Il n'y avait aucune ambiance pesante le lendemain d'une humiliation par Pau. Le 16 janvier, il y a les vœux du président où il présente Souleymane Diawara pour représenter la rivalité Bordeaux-Marseille. Encore une fois, notre histoire est attaquée et bafouée par des gens qui n'en comprennent rien. Sans réponse de KS, fin janvier, nous lançons au King Street Out pour les faire sortir du bois. On essaye d'élever le débat. On veut réussir à rencontrer King Street. Fin janvier, la mairie convoque King Street. La mairie nous sollicite pour lui transmettre un dossier, un long dossier, où tous les dangers sont expliqués. De A à Z, le 3 février, il y a une rencontre mairie KS. Le 1er février, juste avant, on va à l'entraînement au Royan, où on essaye déjà d'associer les joueurs en leur disant « Vous êtes considérés comme des marchandises, comme nous. »
Fin janvier également, on commence à dévoiler le projet logo. On sent que le danger arrive. Et depuis lieu, le club a eu la volonté de créer une autre organe des supporters artificiels, sans histoire, et en première réunion, dont nous vous avons diffusé des extraits. Et puis c'est le début du Covid, et le 9 mai, on fête les 5 ans d'Adieu Lescure. Et on se souvient de cette grande date. Et le 10 mai, c'est le début d'Elix. Où le but est de démontrer que ces gens qu'on a placés à la tête du club sont des manipulateurs, sont des mythomanes, sont des menteurs, sont des gens qui nous braquent les uns contre les autres. On va jusqu'à raconter qu'on menace les respectables Marine et Blanc Île-de-France, qu'on privé, ça a toujours été la ligne rouge. On n'a jamais insulté ni Frédéric Longuepé, c'est pas l'envie qui nous en manque pourtant, mais on n'a jamais insulté Frédéric Longuepé ni Anthony Thionnet, et on les a jamais attaqués par leur vie privée. Bordeaux, c'est des valeurs, Bordeaux, c'est l'honneur, Bordeaux, c'est la loyauté. La ligne rouge, on l'a jamais franchie, jamais. Et ces gens-là se victimisent, mentent, expliquent des calomnies, nous braquent les uns contre les autres. La deuxième Lix, où ils viennent défendre le projet sur les footballs amateurs. S'occuper des clubs amateurs. 1h30 de direct. 1h30 les amis. Vous êtes toujours là, merci. On parle de charité. On essaiera de faire des interviews après. On vous laisse écouter le discours. Ces enfants, on nous parle de charité. Il n'y a plus d'enfants qui viennent à l'Escure. Le foot amateur, la presse est attaquée, la DNCG. Vous êtes rabaissés, on ne va pas laisser le club salir plus longtemps par 10-15 personnes. 10-15 personnes, ça fait beaucoup pour 10-15 personnes. Et puis, les communiqués se sont succédés, toujours plus insultants les uns que les autres. Les affaires ont continué à sortir. David Lafarge a été rétrogradé. Voilà où nous en sommes. 2 ans de conflit qu'on a essayé de vous expliquer du mieux possible. Il n'y a plus d'intégrité au sein du club. Il n'y a plus l'intérêt supérieur du club et plus la priorité personnelle. Voilà où nous en sommes. Et à côté de ça, quand on se renseigne sur le trou financier, il est abyssal. Il y a 2 ans, le club était à l'équilibre. Le niveau de bilan, la masse salariale est monstrueuse. On a un nombre de salariés équivalent à un club qui joue la Ligue des Champions. On a une masse salariale équivalente à un club qui joue la Ligue des Champions. On va droit dans la catastrophe. Et aujourd'hui, toutes les bonnes volontés du club, nous, les salariés, les partenaires, tous les amoureux, personne ne peut se remettre au travail. Repenser à l'essentiel. Ouais, sans déconner, on va pas se laisser voler notre club comme ça, non ! On vient t'expliquer 2 ans d'histoire ! On vient t'expliquer comment des mecs qui viennent de Paris, des mecs qui ne supportent pas les Girondins, sont venus en Christ ! Non ! Non ! Non ! Aujourd'hui, il va être le début d'une nouvelle ère. D'une nouvelle ère. Il faut que cela change, il faut que l'équipe opérationnelle soit remaniée, il faut que l'on se remette tous au travail et qu'on remette l'intégrité à tous les niveaux, qu'on refasse venir des anciens, qu'on refasse venir des gamins au stade, qu'on rouvre la paix du Lyon, que notre club retrouve son côté populaire. On a choisi aujourd'hui de vous montrer ce qui symbolise l'ampleur de cette cassure, la gravité de la situation. Ces gens-là ne comprennent rien à l'histoire de notre... à l'importance des emblèmes. Ils ne comprennent rien à l'importance de Girondins. Et le problème, c'est que dans ce club,
Il ne s'envoie pas un seul mail en interne, un seul courrier électronique en interne sans qu'on soit en copie au moins 10 fois. Les gens qui vivent encore et qui travaillent encore aujourd'hui au journal Bordeaux, les historiques, les Bordelais, ils n'en peuvent plus. Il y a plus de 90 prud'hommes au Girondin de Bordeaux qui sont arrivés dans tous les bureaux, qui prennent toutes les décisions. Notre cœur est ici qui travaille avec les salus, et on va vous montrer un truc. Parce qu'il y a des flics partout. Il y a des flics partout dans ce club. On espère qu'on va se tromper. On espère que c'est pas ça. La présence n'est jamais trompée. Toutes nos sources, elles étaient bonnes. Montrez le calico devant. Venez l'amener ici. Venez l'amener ici. Allez, voilà, ça c'est la grosse qui nous ont pendu. Puisque le club ne veut pas le montrer. Puisque le club... sa présentation, ou Adidas est mêlé à ce scandale. Ami Adidas ne veut pas être associé à ce scandale. Vous voyez Bordeaux mis en avant, Girondins minorés, les croissants de la ville enlevés, et c'est même plus un scapulaire, c'est un chevron, c'est même plus un scapulaire. Voilà, ça c'est symbolique. Et ça fait 15 jours 3 semaines qu'ils auraient dû le sortir, bizarrement, ils attendent, ils devaient le sortir en début de semaine dernière, ils n'ont toujours pas sorti, aujourd'hui on se demande, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils attendent, déjà je pense qu'ils ont attendu la manif, et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous on avait déjà l'orgueil, hey, un logo, c'est une empreinte indélébile, c'est une empreinte qui reste dans le club, ils n'ont pas le droit de toucher. Ils n'ont pas la légitimité de toucher à ça. Ils n'ont pas la légitimité de changer le nom. C'est normalement prévu mardi, la présentation. C'est normalement prévu mardi. Ils ont peut-être la repousser, du coup. Voilà où on en est. Maintenant, on a voulu réveiller les consciences, on a voulu être entièrement transparent. Maintenant, on en appelle à tout le peuple bordelais de continuer, de mettre la pression, de ne rien lâcher. On appelle les salariés à nous rejoindre, à prendre des risques, pour avoir des joueurs. On en appelle aux politiques à prendre en compte leurs responsabilités. Il est temps que tout ce cinéma cesse. Il est temps. Bah, vous avez vu le logo. On trouve ses couleurs. Le nouveau logo a été révélé. Il est temps que notre club retrouve son rang. Et pour le bien de tous et de toutes, qu'ils partent. On a des quelques messages. Il y a pas mal de joueurs qui ont les mêmes présents. Certains sont venus ici, ils sont derrière. Il y en a d'autres qui nous ont laissé un message. On va vous demander de l'écouter. C'est parti. Christophe Duhaye. Chers amis, chers supporters, je voulais à travers ce petit enregistrement audio vous apporter tout mon soutien et de l'énergie dans cette manifestation. Je sais que vous n'en manquerez pas. Sachez que votre combat est juste. Vous êtes l'âme de ce club. Sans vous, ce club ne peut pas avancer. Il y en a assez de voir à la tête de notre club depuis de trop nombreuses années des incompétents qui sont là uniquement pour s'enrichir, pour se garder, pour leurs propres intérêts, sans jamais penser, pour vous donner encore un petit peu plus d'énergie, je sais que vous n'en manquez pas. Voilà, je pense très très fort à vous, je ne pourrais pas être là parmi vous, à mon grand regret, mais sachez que mon cœur, mon esprit et mon âme vous accompagnent. Salut. Donc là, ce sont des messages enregistrés de joueurs. Même si au niveau des résultats, n'a pas été évidente, c'est toujours appuyé pour se maintenir pendant une dizaine d'années uniquement sur des valeurs régionales faites de,
d'altruisme, faite d'entente, faite de soutien mutuel. Et j'espère que dans les années qui vont venir, les prochaines, ces valeurs seront maintenues. Et en même temps, la politique de formation avait permis de révéler des joueurs qui, par la suite, ont été internationaux, comme Domergue, Meigneux, Giresse, Bergerot, chose qu'on ne voit plus maintenant. Donc, vive les Girondins de Bordeaux et vive une politique régionale. Merci, Jean-Galice. C'était Jean-Galice. L'éclosion de talent. Merci, Jean-Galice. Bonjour, c'est Alain Giresse. Alain Giresse. Fier de l'être, fier de nos seules couleurs, marine et blanc. Nous démontrons aujourd'hui notre attachement à ce club, avec respect, dignité, à son histoire, à son passé, et espérons retrouver les grands moments que vous et moi avons vécus. Girondins pour toujours. Lilian Lassalle. Bonjour à vous tous, les ultramarines bordelais, ainsi que tous ses supporters. Juste pour vous dire, par ce petit message, que les Girondins de Bordeaux, sans leurs supporters, ça n'aurait jamais été les Girondins de Bordeaux pendant toutes ces années. Continuez à chanter pour vos couleurs, et un petit message d'attention pour David Lafarge, votre capitaine de sécurité. Ciao. C'est Lilian. C'est donc le Carasso. Répétitif. Je vais vous donner mon ressenti aujourd'hui. Vous m'avez accueilli dans votre famille il y a plus de 10 ans. L'âme de ce club m'a rendu amoureux des Girondins de Bordeaux. Sans cœur et dans tous les sens du terme, on ne peut pas tenir debout. Vous êtes le cœur des Girondins depuis plus de 30 ans. Et pour cela, vous aurez à jamais mon respect. Continuez de faire battre ce cœur, car sans vous, il n'y a plus de Girondins de Bordeaux. Courage! Bonjour à tous, Pierre Ducasse. Je me joins à vous pour ce mouvement. Nous, les Girondins, on veut notre club qui retrouve une âme, qui se relève. Il est tombé bien bas. On voudrait un club propre, sain, avec des valeurs, à l'image de la ville. On est un club différent et on l'assume. Notre club, c'est une histoire, un palmarès, une osmose. Entre tous les gens de la ville, les jeunes, les moins jeunes, les supporters, le club. Et aujourd'hui, je ne suis pas physiquement avec vous, mais je me joins à votre mouvement. Si Florian le souhaite, il peut lire le texte que j'avais rédigé et publié avec plaisir, témoignant de mon amour pour le club et ce qu'il représente pour nous, les Girondins, tous les amoureux du club. Je lis son texte. Je le lis. Ah, il est évident. Bordeaux, toi, la belle endormie, réveille-toi. Toi qui as bercé mon enfance, du Virachid, du Parc Lescure, avec les folles épopées, les joueurs qui ont bercé mon enfance, le scapulaire qui anime mon cœur, je te demande de continuer de me faire rêver. Toi qui as fait de moi un rêve, une réalité, à porter fièrement ce maillot marine et blanc, à représenter ma ville, ma région, en France et en Europe. Toi qui m'as permis de devenir un homme, grâce à ces bénévoles, ces indicateurs dévoués et dénués d'intérêts financiers, mais avec un seul but, véhiculer les valeurs du sport, de partage, du don de soi, d'honnêteté et du goût de l'effort. Toi qui m'as permis de devenir un jour un professionnel accompli pour faire perpétuer ton lourd héritage. Je te demande de te réveiller, de me faire un nouveau rêver, de mettre les mêmes étoiles dans les yeux de mes enfants. Toi, le scapulaire, dois retrouver ton standing, ton exemplarité, ta propreté. Alors aujourd'hui, voir mon club être tombé si bas aux exploits de notre équipe, une chanson bien connue face à un adversaire historique témoigne d'une ville en flamme qui fait se soulever le fleuve. Aujourd'hui, c'est notre club qui brûle. Alors je ne demande qu'une chose, remettre le ballon au centre du terrain, la cathédrale sur la place Péberlan. Nos joueurs, nos jeunes, intégrer l'équipe Fagnon, nos cadres, leur transmettre les valeurs, le plomb de pierre lié nos dérives,
réécouter ce doux hymne qu'on entend le mercredi soir. Bordeaux, réveille-toi, Bordeaux, réveille-toi, nous n'avons plus le ballon, faisons preuve d'un bloc équipe soudé pour le récupérer et aller de l'avant, marquer le but de la victoire. Retrouvons l'homme de notre club, vite, à tous mes amis, ceux qui aiment le club autant qu'ils le disent ne peuvent pas rester silencieux, je l'aime et je sors de mon silence, merci Pierre Ducasse. Jusqu'au fond les gars, jusqu'au fond!
appuyer sur les anciens. On doit faire revenir les anciennes gloires. Elles doivent être centrales dans la vie du club. Nous, les ultras, on a toujours compris ça. Il y a deux anciens, plus anciens que moi, qui doivent prendre la parole. Ouais, vous êtes tous là. Marc, qui doit représenter l'élection et de savoir, même des plus illustres, mais qui représente aujourd'hui tous ceux qui, loin de Bordeaux, sont passionnés et suivent notre club et sont meurtriers autant que nous. Bonsoir à tous. J'ai prévu une demi-heure de discours, mais du coup, je vais un petit peu raccourcir. J'espère que ça va. Et moi, ça, moi, la mission, c'est simplement de saluer tout d'abord toutes les sections ultramarines. Il y en a eu beaucoup au décennies. Mais aujourd'hui, on a des sections, la section Dordogne, la section Lot-et-Garonne. On a la section PACA aussi, les gars qui sont toujours là. Et bien sûr, je ne vais pas reparler de la Haute-Savoie. Ce qu'on voudrait aussi dire, ce que je veux vous dire, c'est qu'un club comme les Girondins de Bordeaux, c'est un club qui est né en 1881. C'est un club qui a 139 ans d'histoire. C'est un club qui a traversé les deux guerres, et ça, on l'oublie souvent. On est le plus ancien club de France, il y a juste le Havre qui a quelques années de plus que nous. On est le plus ancien club de France avec le Havre, d'accord? Et ça, il faut l'avoir en tête. Et ça, il faut l'avoir en tête, et ça, on reconnaît comment un grand club? On reconnaît à ça, on reconnaît à 2500 personnes qui sont là, et on le reconnaît à notre histoire, à notre longue histoire. Et vous savez, dans l'ère moderne des Girondins, on va dire, il y a eu deux moments clés, il y a deux moments où on était en grand danger. Le premier moment, c'était en 91, quand on est relégué en deuxième division. D'accord, je me souviens des gens comme moi à l'autre bout de la France, j'écoutais la radio tous les jours, à la fin des flashs pour écouter quelque chose, c'était appel sur appel, le club va-t-il disparaître, va-t-il être sauvé? Et on pleurait, on se disait mais comment on va finir? Et puis à cette époque-là, il faut aussi saluer des gens, il y a des gens qui sont là, qui ont organisé une marche c'était pour la survie des Girondins, c'était le 30 mars 1991. Et il y a des gens qui étaient là à cette époque-là, qui sont là aujourd'hui, qui sont revenus ce aujourd'hui, qui sont revenus pour prouver leur amour et pour montrer qui on était, et pour montrer qui était la communauté et tous les supporters des Girondins de Bordeaux. Donc honneur à ces gens-là, honneur à tous les anciens qui sont là, que j'en ai vu pas mal. Moi j'y étais pas, bien évidemment, mais ils étaient là, donc j'aimerais bien qu'on les applaudisse. Un tonnerre d'applaudissements pour cette marche, en mémoire de cette marche à 1932. Et donc aujourd'hui on se retrouve ici, pourquoi le club ne va pas aller en D2, quoi qu'on ne sait pas. On se retrouve là parce qu'on a des gens qui nous expliquent, que les résultats sportifs, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Qui nous parle de panier moyen, qui nous parle de marketing produit. Ces guignols qui ne comprennent pas, c'est que vous faites du marketing, on fait du marketing, on gère des entreprises. Mais c'est ça, ce qu'ils n'ont pas compris, on ne va pas les insulter. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'un club de football, c'est pas une entreprise comme une autre. C'est pas on vient pendant 3-4 ans pour gérer sa carrière en voulant faire acheter des produits et en prenant les gens, en nous prenant pour des blaireaux de consommateurs. Ils n'ont pas compris qu'on existait depuis 1881, que les ultramarines, c'est bientôt 40 ans d'histoire. D'accord? Ils n'ont pas compris les milliers de déplacements qu'on a fait, toute l'Europe qu'on a traversée, cette chaleur d'aujourd'hui qu'on a affrontée dans les bus, dans les minibus, dans les voitures, sur les routes. Ils n'ont pas compris que ce que ça représentait pour nous. Et ils veulent nous parler de marketing produit. Ils veulent nous faire gober. Et ils ne comprennent toujours pas aujourd'hui. Et donc Guépé, il est terré dans son bureau. Il ne comprend pas, tel un masochiste. Il continue de s'arc-bouter. Mais le problème, c'est qu'on va bien finir par le dégager. Parce que le club, il existera toujours. Et nous, on sera toujours là. Et les ultramarines seront toujours là pour le défendre. En 91 et aujourd'hui. Donc bravo à vous. J'ai parlé des sections ultramarines. Je voudrais aussi saluer les Marinés Blancs Île-de-France, les gars de Franche-Comté et tous les gens qui sont venus, que vous ayez fait 10 km, 20 km, 200 km, des dom-tom. Parce que c'est toujours pareil, ce sentiment d'appartenance des Girondins à la communauté des supporters bordelais. Il faut en être fier. Ayez conscience, vous savez, moi, des fois, on parle des grands clubs, on dit, ils ont des supporters. Moi, j'ai toujours dit, mais nous, on est qui, nous? Nous, voilà ce qu'on est. Voilà, des gens qui viennent pour relever leur club et qui sont présents. Et nous aussi, on représente une vraie communauté. On doit en être fiers et soyez fiers de ça. Soyez fiers de nos couleurs. Alors, juste avant de terminer, un petit chant du milieu des années 90, l'épopée de Milan. Alors, levez tous les mains, s'il vous plaît. Tous les mains en l'air, s'il vous plaît. La 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 la. Oh,
depuis pas mal de semaines veulent la vouloir couper l'ensemble des supporters girondins, tout le stade de Verrachud. Et moi, je voudrais quand même saluer, et je voudrais saluer cette mentalité ultra qui est présente depuis une quarantaine d'années à Bordeaux. Et je voudrais bien dire à ceux qui se reconnaissent quand je parle de ça que ce serait important demain d'être présent des personnes, ce serait important d'aller porter la bâche, ce serait important de tenir la rue, ce serait important d'être partout. Et donc on compte sur vous tous, les expatriés, ceux qui sont loin, ceux qui sont proches, pour faire les kilomètres comme vous avez fait aujourd'hui et pour aller supporter notre club partout. Parce que vous inquiétez pas, notre club il restera là et on ne leur laissera pas. Merci à vous. Merci Marc. Artisan de la mentalité ultra Bordeaux. Allez, encore, applaudissez Marc. À mon tour, vous laissez et laissez le micro à la nouvelle génération. Enfin, la nouvelle, elle est déjà là depuis 10 ans, 15 ans, et elle fait honneur, semaine après semaine, en faisant des tifos formidables, en faisant vivre local, en faisant tous les déplacements. On a la chance d'avoir des travailleurs de l'ombre, d'avoir une nouvelle génération qui perpétue l'histoire. Ça, c'est notre plus grande fierté. En tout cas, merci. Merci de votre présence. Cette journée, c'est un succès. Bravo, c'est le succès. C'est avant tout le monde. C'est avant tout le succès du peuple bordelais. Et faites-nous confiance. On va continuer le combat. Et on va faire renaître notre club. Merci à tous. Oh, Virachim, ça va? Juste quelques mots. Franchement, à Dulescure, c'était fort. J'étais hyper fier. Et aujourd'hui, je suis encore plus fier. Parce que ce combat, il est encore plus important. Et moi, je vous dis une chose. Les trous du cul là-bas qui sont haillants, ils sont tout seuls aujourd'hui. Parce que le peuple, aujourd'hui, il est uni. Le peuple, il est là. Le peuple, il est fier d'être bordel. Fier de ce club, bordel. Alors, une chose surtout. Le plus important, c'est que moi, je vous donne rendez-vous au mois d'août. Prenez votre abonnement, prenez votre carte, soutenez-nous, venez au Virachut, venez chanter, soyez fiers de ces couleurs, bordel, soyez fiers de ce maillot. Et cet été, vous y allez, en France, peut-être en étranger, soyez fiers de ces couleurs, éduquez vos enfants aux couleurs marines et blancs, portez ce maillot, et surtout, ne bafouez jamais, sportez, soyez, ayez la tête haute, soyez fiers de ce maillot, soyez fiers de ces couleurs, représentez-les partout. Ça. J'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui se sont investies, que ce soit dans la lutte contre le club, mais également dans le soutien, en déplacement, à domicile, derrière la vache ultra, que ce soit ultra ou non, on est tous ensemble, les Girondins de Bordeaux, tous ensemble, sois-en sûr mon gars,
surtout aujourd'hui, ça tu le sais pas encore, mais il y a des mecs qui ont traversé la frontière pour venir supporter les Girondins. Je pense à la Chicaria Dominique. Je pense aussi aux Érinortais de Bilbao. Je pense également aux Boys Parma. Et bien évidemment, je pense aussi à nos frères Magic Fire. Depuis le début, lève tes mains pour eux, lève tes mains pour nos frères Magic Fan. Lève tes mains, il en manque encore, il manque des mains, que ça pète, que ça résonne. Magic Fan! Magic Fan! Magic Fan! Mais également, il faut aussi que je remercie d'autres personnes. Ça fait 2 heures que nous sommes en direct. Qui est ici sur cette place. Merci de nous suivre. J'entends la bordel. Toi présent, avec nous, tous ensemble, pour former une nouvelle ère au Girondins de Bordeaux. Tout simplement, parce que non loin d'ici. Tout à l'heure, je parlais de la place de la République. Là, je vais parler de la place des Quinconces. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à Caen en 2009, à nous d'écrire à nouveau une histoire. À nous de ramener des titres aux Girondins de Bordeaux. À nous, tous ensemble, à soutenir les joueurs. Et bordel, qu'on retrouve une équipe digne de ce nom. Alors tout le monde, les mains en l'air. Tout le monde, les mains en l'air. Parce que nous, ultra supporters des Girondins, on ne lâchera jamais rien. On lâchera jamais. Alors tout le monde, les mains en l'air, il y en a qui trichent là-bas. Là aussi, il y en a qui trichent. Là aussi, il y a des tricheurs. Tout le monde, que ça pète, que ça résonne. Le chant chinois. Allez, allez, remerciements. Il y a une autre personne qui va parler, vous la connaissez tous. Vous la connaissez tous. Un des premiers meneurs du village. T'inquiète, il t'a chanté des sacrées musiques pour les Bordeaux-Marseille. Mais pas ce soir apparemment, je sais pas, il va vous le dire. Mais en tout cas, je laisse la parole à Sylvain les gars. Je pense que vous avez compris le message que voulaient vous faire passer les ultramarines pendant ces 2 heures de tribune en plein cœur de Bordeaux, devant le Palais Rouen, devant la mairie de Bordeaux. Nous, les Girondins, supporters, supportrices, anciens, jeunes, supporters de Bordeaux, de la région ou exilés à travers la France, anciens joueurs, bénévoles du club, salariés du club, vous êtes venus avec nous aujourd'hui parce que ce que nous voulons, nous,
les Girondins, nous voulons un actionnaire qui a un visage, une bouche et surtout des oreilles. Nous voulons des dirigeants qui continuent à produire l'héritage de leurs prédécesseurs, Baize, Trio et les autres, pour garder l'histoire, les valeurs et la culture des Girondins de Bordeaux et du football populaire, le vôtre. Vous les Girondins, les mêmes. La 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 la. Et nous qui serons encore là demain. Et encore, je te le jure, avec les copains des Ultramarines, avec cette grande famille, avec vous les supporters, encore là pour des années, pour garder le patrimoine des Girondins, le patrimoine de cette ville qui nous a fait grandir. Et vous ne trompez pas, c'est nous le précurseur, c'est Longuepée et Thiodé, les imposteurs. Allez, dernière fois avant la dispersion, avec quelques chants, Romain, tu as monté un peu, ça nous manque. Allez, l'hymne du village, les gars, l'hymne du village. Allez, 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 Bordelais, pour nous tous ensemble, et nous chanterons en train, pour la gloire des Girondins, écoutez ce chant qui reste, nous sommes amoureux de nos poulets, le maillot mariné blanc. On va en faire un dernier. Lève tes mains jusqu'au. La 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 la
Ok. Pour se quitter. On va se donner rendez-vous en nous, bien sûr. Je sais que tu seras là. Bah, t'es toujours là. J'en ai aucun doute sur ça. Alors, avant de se quitter, vu qu'on est gens responsables et qu'on va laisser de bonne image, tout ce qu'il y a au sol, on va le ramasser. Il y a des poubelles un peu partout. Surtout, on laisse rien dans la ville. On laisse, c'est notre ville. On l'aime. Donc, on la nettoie. Merci à tous qui m'ont ramassé. On a des sacs devant les gars. Attention, il y a des fumigènes qui sont chauds. Alors attention, ne vous brûlez pas. Et une dernière fois, faites-moi résonner ce chant, qu'il entende jusqu'au bureau du château. L'OGP démission. L'OGP démission. L'OGP démission. L'OGP démission. L'OGP démission. L'OGP démission. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Applaudissez-nous. Merci. Merci les copains du Attention, je vous jette tout le temps. Ne vous oubliez pas, attention. Faites des tas et on ramassera. Au pire, faites des tas, on ramassera. Vous inquiétez pas. On laissera rien. Allez, aidez-nous à ranger, on se disperse. A bientôt, à la reprise, les gars. Je vais essayer de vous faire une petite ITV. Bon, on a Julien qui était... Julien Toufflet, hein, c'est ça. Salut. Voilà, bon, t'étais avec nous dans le Tol. Ouais. On t'avait invité parce que tu étais dans la campagne. Sympathisant. Voilà, sympathisant d'un des candidats, on va dire. Je sais pas si on peut le nommer comme non, les élections sont demain. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce rassemblement? Ça montre bien la force des ultras, vu le nombre, vu la puissance des chants, la puissance des propos... Enfin, ça défend complètement ce que moi je pense et ce que le candidat avec lequel j'ai un petit peu travaillé défend, c'est-à-dire le fric pour le fric, c'est-à-dire un club qui est bouffé par le pognon, et sauf qu'ils savent très bien que de toute façon ils n'en feront pas, donc ils vont l'emmener, ce que je souhaite pas évidemment, j'ai bien peur qu'ils l'emmènent au fond du seau, quoi. Donc évidemment, nous, on soutient les ultras parce que c'est rendre le club plus humain, lui redonner un visage humain. Et il me semble que c'est le plus important. Enfin, quand on voit la ferveur, les gens, la jeunesse... Il y a 2-3 000 personnes, hein. Je ne saurais pas te dire. Mais quand on voit la ferveur qu'il y a dans des rassemblements comme ça... Enfin voilà, c'est quand même incroyable que ces gens-là en haut ne tiennent pas compte de ça, quoi. Bon, bah, écoute, merci. Eh ben, y a pas de quoi, c'est moi qui te remercie. Voilà, on va continuer à faire notre tour et à faire réagir après ce beau rassemblement. C'était super. Il y a de bons orateurs chez les ultramarines. Oui, carrément. Des bons orateurs. Non, mais c'est exactement ce qu'on se disait. On aimerait bien faire des meetings avec une telle ferveur et tout ça. Ce serait chouette. On n'a pas ça, mais le foot, c'est... Ça prend au trip, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt, merci. Allez, on va continuer à faire un petit tour. Allez, vous perche. Ça va, je suis gentil. Non, monsieur, ils sont très bavards. Non, c'est un problème, c'est pour la lettre de Ducasse. Toi, t'aimes bien l'idéal, vas-y.
gamin. Bon, c'est comment ton prénom? Charles. Charles, et t'es venu avec ton fils? Ouais, Adrien, ouais. Adrien? Adrien, mon fils. Adrien. Ouais. Première fois qu'il connaît les ambiances des Girondins. C'est important d'être là. Ouais. Les gamins, il faut leur éduquer ça, l'amour des couleurs. Les discours ont été bons, il a tout entendu, il a tapé dans les mains, il s'est éclaté, il n'y a pas eu d'insultes et tout. C'est quand même important pour les gosses. Ça s'est très bien passé. C'était un truc familial. J'ai trouvé que ça avait de la gueule, ça avait de la dignité, le sens du message, il est important. Pour nous, on a grandi avec ce club. J'étais gamin quand il y avait l'épopée 96, tout ça. Et lui, je veux qu'il vive ça aussi, un truc qui nous ressemble encore. Et voilà. Voilà. Donc, t'as positif. Ouais, très positif. Voilà. Il a quel âge, le petit? Il a 4 ans. 4 ans. Bon, il est allé au stade ou pas déjà? Et non, pas encore. Pas encore. Ah, mais quand il ira, ce sera en virage. Donc, il faut un peu préserver. Voilà. Bon, allez, merci. Super. Bon, voilà, c'est terminé, on a essayé de vous faire vivre ça comme si vous y étiez. J'espère que la qualité y était, 2h20 de direct, c'est la première fois sur Web Girondin. Allez télécharger, petite interview ou pas, non? Bon, voilà, donc on se donne rendez-vous sur le site et téléchargez les applis. À bientôt les gars, le replay est disponible tout à l'heure.